Alors, le Rowing Club de Mulhouse est un club d'aviron qui a été créé en 1893, qui vient de fêter ses 125 ans cette année et qui vit toujours, qui a actuellement 200 membres. Et ces 200 membres pratiquent très régulièrement l'aviron. On a un très grand garage à bateaux qui est ici, sur le côté, dans lequel on a des bateaux pour faire ramer à peu près 120 personnes en même temps. Donc, il y a 2 ans à peu près, on a décidé au niveau du comité du club de créer une section handisport et de développer dans un premier temps l'aviron à destination de rameurs déficients visuels. Et donc, cette section existe aujourd'hui. Elle est forte au bout d'un an et quelques mois en plus de 7 membres qui pratiquent très régulièrement l'aviron, aussi bien sur l'eau qu'en salle. Dans la suite de nos activités, nous avons comme projet de développer l'aviron à destination des rameurs paraplégiques. Nous avons donc déjà investi dans du matériel. Nous avons 2 bateaux qui sont déjà au club, propriété du club. Et nous sommes en contact avec le président du conseil départemental de la Fédération Handisport pour effectivement commencer à faire connaître cette activité, faire découvrir ce sport à nos premiers membres. Alors bien entendu, avant de lancer toutes ces activités, nous avons effectué toutes les formations nécessaires. Aujourd'hui, le club d'aviron de Mulhouse est labellisé Aviron Indoor, ce qui permet la pratique en salle, labellisé Avifit, ce qui nous permet une pratique de notre sport sous une forme un peu fitness, très très dynamique, à destination de membres qui ne souhaitent pas forcément aller sur l'eau. Nous sommes également labellisés Aviron Santé et Aviron Handicap. Donc ces formations ont été effectuées dans les 2 dernières années, ont été financées par le conseil départemental en partie, en grande partie. Et aujourd'hui, cela nous permet de mettre en place ces différentes actions. Alors, les formations aviron handicap recoupent différents axes. Nous avons effectivement, nous travaillons avec des personnes atteintes de déficience visuelle, mais nous avons donc aussi pour objet d'intervenir sur le handicap physique à travers des rameurs paraplégiques. Nous pouvons et nous accueillons ponctuellement intervenir sur des déficiences intellectuelles ou des déficiences mentales. Nous avons déjà accueilli plusieurs groupes de trisomiques et d'autistes. Et ces différentes actions nécessitent tout de même une adaptation du matériel. En salle, nous avons été obligés d'investir dans des ergomètres, des machines à ramer un peu spécifiques qui permettent d'accueillir ce public. En ce qui concerne l'aviron à destination des paraplégiques, les bateaux sont standards mais nécessitent un équipement complémentaire très particulier. Ils sont équipés de sièges fixes avec des sangles, de flotteurs de sécurité. Et dans le cas de l'aviron santé, qui rejoint certains problèmes que nous avons aussi sur l'aviron handicap, nous avons des bateaux à embarquement profond, c'est comme ça qu'on les appelle, qui là ne nécessite pas d'adaptation mais carrément d'acheter un matériel neuf qui permet ce type d'embarquement pour des personnes souffrant d'arthrite, de surpoids ou de faiblesse musculaire. Alors, toutes ces actions sont lancées, sont mises en place, les investissements matériels sont réalisés. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec différentes associations pour le public, pour accueillir ce type de public. Et nous vous invitons donc tous à venir nous rejoindre pour découvrir ces types de pratiques un peu différents, mais qui restent toujours fondamentalement l'aviron.